Avec un Eluvian, Corypheus pourrait pénétrer physiquement dans l'immatériel? Tout à fait. L'Inquisitrice peut certifier que ces artefacts fonctionnent toujours, si on sait comment les utiliser. Qu'est-ce qui se passe si Corypheus pénètre dans l'immatériel? Eh bien, Corypheus réalisera son plus grand rêve et deviendra aussi puissant qu'un dieu. Ou alors, ce qui est plus probable, ce déséquilibré libérera des forces qui dévasteront notre monde. Je ne laisserai pas faire. C'est impossible. En effet, si jamais Corypheus arrive à ses fins, c'est sur vous qu'il déchaînera son courroux en premier. Excusez-moi, mais ça veut dire que tout est perdu à moins qu'on ne trouve l'Eluvian avant Corypheus? Corypheus a une longueur d'avance, quelle que soit la vitesse de notre armée. Nous devrions rassembler nos alliés avant de nous mettre en route. On peut les attendre? Il faudra envoyer nos espions aux terres sauvages d'Arbor. Sans l'appui des soldats, vous en perdriez la moitié. Alors que devons-nous faire? Vous surmontez la menace. Vous trois ensemble. Joséphine, que nos alliés envoient des éclaireurs à notre rencontre dans les terres sauvages. Leliana, votre agent le plus rapide se joindra à eux. Tous ensemble, on aura assez d'espions pour ralentir l'armée de Corypheus, jusqu'à l'arrivée des soldats de Cullen. Quelle confiance! Mais les terres d'Arbor sont hostiles aux étrangers. Ces bois regorgent de magie elfique. Ne pas profiter de vos connaissances serait une grossière erreur, Dame Morrigan. Nous sommes toutes oui. C'est pour ça que je suis ici. Mais ça fait toujours plaisir d'être reconnue à sa juste valeur. D'autres instructions, Inquisitrice? L'Inquisition a démarré avec une poignée de soldats. Grâce à vous, elle est devenue une force capable de renverser un dieu autoproclamé. Je n'aurais pas pu bénéficier de meilleurs conseils. Je pense pouvoir répondre au nom de tous, que nous n'aurions pu rêver d'une meilleure cause à défendre. On arrêtera Corypheus dans les terres sauvages avant qu'il ne trouve le temple où c'est Eluvian. Inquisitrice. Des nouvelles du combat, capitaine? Les Templiers Rouges succombent à nos lames, votre grâce. Le commandant Cullen dit en avoir bientôt fini. Nos éclaireurs ont vu Corypheus se diriger vers une ruine elfique au nord. On peut vous frayer un chemin à travers ses armées. Ne faites rien de plus que nécessaire. Nous avons besoin de gens pour faire la fête à notre retour à Fort Céleste. On ne vous décevra pas, madame, quoi qu'il advienne. Qu'Andraste vous guide, Inquisitrice.
Je me demande, c'est bien Andraste que vos soldats invoquent au combat, ou est-ce qu'un autre nom leur vient d'abord à l'esprit? Ils me respectent, Morrigan. Mais personne ne me prend pour le Créateur. Certes, vous êtes bien plus encline à leur porter secours qu'une figure fantastique de la chanterie. Mais je digresse. Si je me fie au rapport de vos éclaireurs, je crois que ces ruines ne sont autres que le temple de Mithal. C'est-à-dire? Un lieu de culte tout droit sorti des légendes elfiques. Si Corypheus le cherche, c'est que l'éluviane qu'il convoite doit s'y trouver. Espérons que nous atteindrons ce temple avant que la forêt entière ne soit réduite en cendres. Merci. Nous sommes bien conscientes des plans que projette Corypheus pour nos vies, ambassadrice. Mais pardonnez-nous si notre esprit se tourne souvent vers notre royaume bien-aimé. Je prie pour que tout se passe bien à Orlaïs pendant votre absence. C'est notre retour à la cour qui nous préoccupe. Notre cher cousin Gaspard nous prévient qu'il pourrait coïncider avec un mauvais temps. Il est ambitieux de le prévoir si longtemps à l'avance. Je suis certaine que votre majesté peut résister à toutes les tempêtes. Nous verrons comment se déroule cette bataille. Corypheus menace de nous engloutir. Quelle joie de vous voir, messagère. Ce jour sera chanté pendant des siècles. Nous avons le privilège d'être les témoins du succès de l'Inquisition. La vue de nos alliés orlésiens risquant leur vie me remplit d'humilité. Votre noble cause vous aurait forcément attiré des amis, même si nous avions décidé du contraire. Les hommes et les femmes de foi vous servent. Leurs faveurs ne sont pas moins importantes que les miennes, et leur service est tout aussi cher. Avec Orlaïs à vos côtés, vous triompherez de Corypheus. Puissiez-vous marcher dans la lumière. Inquisitrice, il paraît que cette éluviane se trouve dans un temple non loin d'ici. C'est là que les combats seront les plus durs. Qu'Andraste vous garde. Nos soldats sont courageux. L'Inquisition sera victorieuse. Alors je ferai comme les autres fidèles. J'attendrai. Bonne chance. Quel spectacle! Ça fait circuler le sang. Si les soldats ne font pas attention avec leur feu, ils feront le travail de Corypheus. Encore un effort et nous pourrons panser nos plaies. Je me demande si Corypheus viendra. Vous sentez la magie qui crépite? Une chose bien plus puissante que les Templiers rouges est... Notre pote Cullen, au front avec les soldats. Voilà comment devraient être tous les commandants de l'armée. Là-bas, ce doit être le temple de Mithal. On n'a toujours pas vu Corypheus. Quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Je n'en doute pas. Que tout le monde se tienne prêt. J'entends des combats au loin. Melana Sir Benalen. Il persiste à vouloir nous combattre, maître. Ce sont des raclures. Ils ne nous empêcheront pas d'atteindre la source. C'est quoi, cette source? Soyez honorés. Le nouveau dieu vous offre la mort.
Oh là là, c'est un ralentissement dégueulasse. Qu'est-ce qui fait ça, quoi? Enfin, le sanctuaire de Mithal. Continuons avant que Corypheus n'intervienne. S'il est là pour un miroir, pourquoi Corypheus dit qu'il cherche une source des lamentations? Je ne suis pas sûre de ce qu'il voulait dire. Est-ce que ça pourrait être la même chose? Est-ce qu'un Eluvian pourrait s'appeler source des lamentations? Non. Il semblerait que l'Eluvian ne soit pas ce que recherche Corypheus. Oui, je me suis trompée. Satisfaite? Quoi que puisse être cette source des lamentations, Corypheus la cherche, et vous devez donc l'arrêter. Le résultat est le même. Il faut absolument qu'on trouve cette source avant lui. J'aimerais savoir comment Corypheus est revenu à la vie. On l'a vu mourir. Et sa force vitale peut passer à n'importe quel garde des ombres, créature viciée ou engeance. Alors c'est comme ça que cette ordure a survécu à Hawk. On trouvera un moyen d'arrêter Corypheus quand on en aura terminé ici. C'était... Il semble que l'énergie magique du temple soit encore assez forte. De l'elfique ancien, je ne comprends pas grand-chose. Atishal vir Abelassan. Ça veut dire, suivez le chemin de la source des lamentations. Ça parle du savoir, respectueux ou pur. Shivenen. C'est tout ce que je comprends, mais ça parle de la source. C'est bon signe. Au moins, on sait que la source des lamentations était importante. Les fidèles de Mithal venaient d'abord prier ici. Suivre leurs pas nous aidera peut-être. C'est pas vraiment une serrure s'il suffit de marcher dessus. C'est un rituel, pas une porte verrouillée. Il n'y a pas que des trésors matériels ici. Bon, celui-là est très simple. C'est les autres qui vont être plus compliqués. Vous pouvez pas remarcher sur la même marche, bien évidemment. Bon, il y a plein de trucs à ramasser, mais bon, je suis richissime. Les Templiers rouges ont croisé la route des gardiens du temple. Y a vraiment pas besoin. Ça sent l'embuscade. Impressionnant. Rien d'important, on peut continuer. Et paf, elle explose. Mais ce chemin-là mène à notre vraie destination. Nous devrions suivre la voie des fidèles comme tout à l'heure. Vous oubliez l'armée qui se bat pour nous. Plus on reste à papoter, plus l'Inquisition perd de soldats. Quand faut y aller, faut y aller. Pour une fois, je suis d'accord avec la sorcière. Ce sont des terres sacrées. Nous leur devons le respect. Vous voyez l'urgence? Nous ne pouvons pas trouver la source des lamentations sans être préparés.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces portes. S'ils ont pris un autre chemin, ils doivent avoir une raison. S'ils avaient eu le choix, ils auraient pris cette porte. Elle mène forcément à leur but. Leur but ? Ou le vôtre ? Il y a un danger qui menace l'ordre naturel. Il fut un temps où Tedas abritait des créatures merveilleuses et redoutables, dont le départ nous a laissé des plus vulnérables. Corypheus souillera le pouvoir de la source, mais je le restaurerai. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi romantique. Croyez-moi, votre surprise n'a d'égal que la mienne. Les humains piétinent le monde, rasent ce qu'ils ne comprennent pas. Elfes, dragons, magie... La liste est interminable. Nous devons y mettre un terme ou faire un trait sur tout ce qui nous est cher. Ça, c'est une certitude. J'ai compris plus que je ne l'ai dit sur l'autel de la première salle. Ça disait qu'une grande bénédiction serait attribuée à qui utiliserait la source des lamentations. Mais au prix d'un terrible sacrifice. Qu'est-ce qui était écrit sur cet autel, exactement ? C'était affreusement vague, comme la plupart des écrits elfiques. Le terme que j'ai déchiffré était Alam Shivanas, le doux sacrifice du devoir. La perte d'une chose personnelle en échange d'un devoir accompli. Une affaire toutefois intéressante pour les serviteurs de ce temple. Vous ne me faisiez pas assez confiance pour me parler de ça quand vous l'avez lu ? J'espérais en apprendre davantage. Si j'avais voulu vous duper, j'aurais feint l'ignorance jusqu'au bout. Votre cause est ma priorité. Mais si l'occasion de sauver cette source se présente, je suis prête à en payer le prix. Dans quel but ? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Les rituels nous en diront plus. Et du coup, là vous avez le choix, soit vous traversez, soit vous tapez les rituels. Et vous pourrez pas être les copains des elfes si vous tapez pas les rituels. Alors du coup, nous, c'est ce qu'on va faire. Ok, bon, j'ai commencé avec le plus difficile. Le chemin à faire pour celui-là, c'est comme ça. J'ai un doute. Oui, si, pardon. Là, comme ça, pour pouvoir ensuite grimper ici. Voilà, comme ça. Là, ici. C'est quasi enfantin. Comme ça. Et là, vous sautez. Et là, c'est là qui était le problème. Je ne comprenais pas la première fois. Et ça, c'est tout s'est annulé. Il faut arriver ici. Bon, du coup, là, vous faites la même chose. C'est ce qu'on a fait là plus haut. Voilà, même plus simple pour celui-là. Comme ça. Oui, tout bête, tout simple. Enfin, et du coup, tac, et ici comme ça. Ça a fait quelque chose. En effet, je crois qu'il est temps de passer au rituel suivant. Alors celui-là c'était le plus compliqué, les autres ça va être plus simple. Okay, c'est bon, je crois que j'ai compris cette fois. Hop. Oh putain, il m'énerve, il me bloque à chaque fois le chemin. Bon, enfin. Voilà, comme ça. Et là, j'avais hésité. Ouais, c'était comme ça. Voilà. Voilà. Le rituel est terminé. Nous sommes proches. Il n'y a plus qu'une route à suivre. Ok, c'est bon, j'ai compris comment on fait. Ça. Attends, comment j'ai fait? Oui, si, oui. Et là, on va reprendre plus tard. Il faudra modifier. Paf. Ah là, ça ouvre d'un côté et ça ferme de l'autre. Là, classique. Attendez, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il fallait pas que... Ouais, si, non. Ça ira comme ça. Ça. J'avais un doute pendant 2 secondes. Tout est allumé. Bien, et maintenant ? Venez, allons voir si les portes se sont ouvertes. Sachez que maintenant que vous avez fait les rituels, vous pouvez vous allier aux elfes, même si vous les suivez là dans le trou là. Mais bon, nous on a fait ça, alors autant continuer comme ça.
Je ne m'attendais pas à ça. À quoi servait donc cette chambre? On nous surveille. Venavis. Vous n'êtes pas comme les autres envahisseurs. Vous avez les traits de ceux qui se font appeler Elven. Vous portez la marque d'une magie familière. Comment est-ce possible? Quel est votre lien avec ceux qui ont déjà troublé notre sommeil? Ce sont mes ennemis et les vôtres. On m'appelle Abelas. Nous sommes des sentinelles chargées de repousser ceux qui viennent souiller notre terre sacrée. Nous ne nous réveillons que pour combattre, pour protéger cet endroit. Nos effectifs diminuent à chaque invasion. Je sais ce que vous cherchez. Comme nombre d'autres avant vous, vous souhaitez boire au Virabelasan. Le lieu de la voix des lamentations. Il parle de la source. Elle n'est pas pour vous. Elle n'est pour aucun d'entre vous. Solas, il vous écouterait peut-être, vous. Que devrais-je dire, Inquisitrice? Vous voulez que je le persuade d'abandonner des millénaires de service en vertu de notre lien de sang? Il s'accroche à ce qu'il reste de son monde, car il n'a pas le pouvoir de le restaurer. Notre peuple a tout perdu. Il a besoin de vous. Il pourrait apprendre de vous. Notre peuple? Celui que nous voyons dans la forêt, ses ombres au Valaslin? Vous n'êtes pas mon peuple. Et vous avez envahi notre sanctuaire de la même façon que les Chemlen. Nous savions que cet endroit était sacré. Nous l'avons respecté autant que possible. Je vous crois. Vous vous êtes introduit ici sans permission, mais vous avez suivi nos rites et respecté Mithal. Si ces autres sont vos ennemis, nous vous aiderons à les éliminer. Une fois cette mission terminée, vous pourrez partir. Définitivement. C'est notre but, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune raison d'affronter ces sentinelles. Réfléchissez bien. Vous devez arrêter Corypheus, certes, mais il se peut que vous ayez besoin de la source pour vous. J'accepte votre offre. Nous allons vous guider jusqu'à ce que vous cherchez. Quant au Virabelasan, vous n'y toucherez pas, même si je dois le détruire moi-même. Non, Morrigan! Ah, là, du coup, les elfes vont vous aider. Fais voir où on est, là. Bon, du coup, j'imagine que, ouais, voilà, ils nous guident. Ils ont laissé quelqu'un derrière. Une guide, peut-être. Mithal et Nasté. Ça nous serait utile, vu que Morrigan a décidé de faire cavalier seul. Elle cherche à protéger la source des lamentations. C'est là qu'ils sont sympas. Ils nous montrent des raccourcis et des trucs qui nous évitent le combat. Cet endroit a l'air intact. Vous vous rendez compte de ce que vaut cet endroit? Nous ne sommes pas venus ici pour nous emparer des derniers vestiges de la gloire Elven. C'était juste une remarque. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais absolument récupérer. Soldats, des heures de marche et de combat, et toujours aussi féroces.
La chanterie n'a pas idée de ce qu'elle a perdu. Sanson, attention! Inquisitrice, vous et vos elfes ne savez pas vous arrêter. Vous nous avez traqués dans tout Edas. J'aurais dû me douter que vous nous retrouveriez ici. J'ai parlé à votre apaisé, Maddox. Il s'est sacrifié pour votre cause. Je lui avais dit de ne pas le faire. Mais il est mort en fidèle, en loyal serviteur. Corypheus m'a choisi par deux fois. D'abord pour être son général, et maintenant pour être l'hôte de la source des lamentations. Vous savez ce que contient la source? La sagesse. Le genre de sagesse qui peut purger le monde. Grâce à elle, Corypheus va pouvoir entrer dans l'immatériel sans votre précieuse encre. Comment ça, un hôte? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vider la source de son pouvoir et l'apporter à Corypheus. Une de mes nombreuses responsabilités, être gavé du lyrium de la chanterie aura servi à quelque chose. Cette armure fait de moi une forteresse vivante, de corps et d'esprit. Je n'oublierai rien du savoir de la source. Corypheus sera invincible. Une fois que Corypheus aura ce pouvoir, vous et vos soldats ne ferez que le ralentir. Vous osez me dire ça? Après avoir massacré mes hommes? Vous ne faites pas le poids contre Corypheus. Même en buvant à la source, vous n'en maîtriserez jamais la sagesse comme lui. Voilà la force que la chanterie a voulu mater. Mais notre monde a un nouveau dieu. Alors, Inquisitrice, vous en dites quoi? Le pouvoir, c'est bien joli. Jusqu'à ce qu'on vous l'enlève. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon armure. Elle a disparu. Le lyrium. J'en ai besoin. Tuez-les tous! Ah oui, j'avais pas vu, mais il se grandit ce con. Un peu trop gros là. Oui, c'est bon, ça a l'air. Attendez, je veux le fouiller! Oh, la source, misérable. Vous ne pouvez pas la prendre à Corypheus. Il ne faut pas. Encore en vie? Ça, c'est une bonne armure. On peut le ramener à Fort Céleste pour le faire juger. Vous avez entendu ces derniers mots, Inquisitrice. L'elfe veut détruire la source des lamentations. Alors ça y est, le sanctuaire a été mis à sac. Vous auriez détruit la source vous-même si vous en aviez eu l'occasion. Pour qu'elle ne tombe pas entre vos mains avides. Plutôt la détruire que de la laisser à portée d'êtres indignes. Pauvre idiot, vous laisseriez le patrimoine de votre peuple croupir dans l'ombre. Corypheus avait besoin de Sanson pour utiliser la source. Sans lui, il n'y a plus d'hôte pour s'en emparer.
Dès que nous serons partis, il enverra des renforts pour protéger les lieux. Cette source referme un immense pouvoir, Inquisitrice. S'il peut être exploité contre Corypheus, pouvez-vous vraiment l'ignorer? Avez-vous conscience de ce que vous lui demandez? Quand les serviteurs de Mithal sentaient leur fin approcher, ils transmettaient leur savoir par là. Toute notre existence, tout notre savoir, tout serait perdu à jamais. Ça ne doit pas être facile de s'accrocher aux derniers vestiges. Vous n'avez pas idée. Chaque fois que nous nous réveillons, la source nous échappe un peu plus. Il existe d'autres lieux, l'ami. D'autres devoirs. Votre peuple attend. Vous parlez des Elven comme vous? Oui. Comme moi. Vous avez fait preuve de respect envers Mithal. Et il y a, en vous, une incontestable part de vertu. C'est ça, votre désir? Faire de votre mieux pour accéder au Virabelasan, pour combattre votre ennemi? Pas sans votre autorisation. On n'obtient pas l'autorisation, on obtient le droit. Le Virabelasan dépasse l'entendement des mortels. Empruntez son chemin si telle est votre volonté, mais soyez prévenus. Vous deviendrez le serviteur de Mithal pour l'éternité. Le serviteur? D'une déesse qui n'existe plus? Si tant est qu'elle ait existé un jour. Le serviteur, tout comme nous. Le choix vous appartient. Vous insinuez que Mithal existe toujours? Tout est possible. D'après une légende elfique, Fen'Arel aurait piégé Mithal pour la bannir dans l'au-delà. Votre légende elfique se trompe. Le loup implacable n'a rien à voir avec son meurtre. Son meurtre? Je n'ai jamais parlé de... Elle a été assassinée, s'il est possible d'assassiner une déesse. Trahie par ceux qui ont détruit ce temple. Mais le Virabelasan est toujours là, lui. Et nous aussi. Ce n'est pas rien. Vous quittez le temple? Notre devoir s'achève. À quoi bon rester? Il y a une place pour vous, Létaline, si ça vous intéresse. Il reste peut-être des places que les Shemlen n'occupent pas encore. Lufenera, le sommeil miséricordieux dont on ne se réveille jamais, nous tend peut-être les bras. Qui sait? Si le sort nous est favorable. Merci pour ce don, Abelas. Ne me remerciez pas maintenant, Shemlen. Malas Ameline et Alam, Abelas. C'est son nom. Abelas, ça veut dire regret. Je lui ai souhaité de se trouver un nouveau nom. Vous noterez que l'Éluviane est indemne. Au moins, je ne me suis pas trompé de ce côté-là. Il représente encore un risque? Est-ce que Corypheus peut s'en servir pour voyager dans l'immatériel? Rappelez-vous, quand je vous ai fait passer par mon Éluviane, je ne vous ai pas dit qu'ils avaient tous besoin d'une clé? La source, c'est la clé. Prenez son pouvoir, et l'ultime Éluviane de Mithal sera aussi utile à Corypheus qu'un simple miroir. Je ne m'attendais pas à ce que la source soit si... gourmande. Pas de risques inutiles. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Je suis prête à payer le prix exigé par la source. C'est moi la mieux placée pour mettre son savoir à votre service. Ou au service de vos propres idéaux? Que savez-vous de mes idéaux, au juste, l'elfe? Vous êtes une ogresse qui salive devant un grand banquet. On ne peut pas vous faire confiance. De tous ceux qui sont ici, moi seule ai la formation pour utiliser la source. Laissez-moi boire, Inquisitrice. Vous seule? C'est de mon héritage qu'il s'agit. J'ai étudié les coutumes anciennes, décortiqué des mystères dont vous n'avez même pas idée. Très honnêtement, est-ce que vous voyez quelqu'un ici de mieux qualifié? Pourquoi pas vous, Solas? Non, et je ne le dirai pas deux fois.
Je ne sais pas qui est mieux qualifié ici. Et vous non plus, d'ailleurs. C'est moi qui ai le plus de chances de tirer profit de la source et de son pouvoir. Pour tout le monde, laissez-moi boire. Le prix à payer ne vous fait pas peur ? Devenir le serviteur de Mithal ? Le serviteur d'une déesse morte ? Plutôt creux comme avertissement. Il reste peut-être une force résiduelle. Comment le savoir ? De toute façon, je n'en ai pas peur. Vous êtes sûr de ce que vous voulez, Morrigan ? On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Non. Et pourtant, il faut le faire. Je suis prête. Des commentaires ? Elle a raison sur un point. Nous devrions nous emparer de la puissance qui sommeille dans la source. C'est à moi que vous posez la question ? Je trouve ça très... bizarre. J'ai du mal à comprendre cet imbroglio. Si cette source nous donne une chance de battre Corypheus, alors foncez. Assez tergiversé. Donnez-moi votre décision. En la regardant, en l'écoutant, ce ne sont pas seulement les connaissances des anciens prêtres elfiques. C'est leur volonté. Comment pouvez-vous le savoir ? C'est ce qu'Abelas nous disait. La volonté collective des prêtres place celui qui boit dans une contrainte. Elle l'ensorcelle. Vous ne la sentez pas ? Alors les légendes diraient vrai. Mais nous ne savons pas ce qu'implique l'ensorcellement. J'utiliserai tout de même la source. Mais vous avez raison, nous devons faire attention. Là, c'est un choix crucial. Allez, on boit. Si quelqu'un doit utiliser la source, ce sera moi. Alors vous ne garderez que les quelques bribes de savoir qui vous parlent, et tout le reste sera gâché, c'est ça ? L'Inquisition a besoin de vous. Corypheus nous met tous en danger. C'est peut-être mieux ainsi. Faites ce que vous voulez de la source des lamentations, Inquisitrice. Mais soyez prudente. Pourquoi suis-je ici ? Corypheus, un magistère, a l'intention de déchirer le voile. Je dois trouver un moyen de l'arrêter. Si vous pouvez m'aider à vaincre Corypheus, votre prix sera le mien. Miroir.
C'est fait. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons remporté la bataille, Inquisitrice. Quand vous avez franchi le miroir, Corypheus et son archidémon ont fui le champ de bataille. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce qu'il voulait ne se trouvait plus dans le temple. Sans doute. Il a passé tellement de temps à essayer d'entrer dans le temple qu'il ne pouvait plus prêter main forte à ses propres forces. Alors c'est la fin pour Corypheus. S'il est malin, il va aller se cacher et reprendre ses forces avant de lancer une nouvelle offensive. Il ne se cachera pas. Vous l'entendez ? La source vous parle. Ce sont des voix. Elles murmurent de tellement loin que je les entends à peine. Oh, si seulement quelqu'un de plus apte à comprendre ces voix avait eu accès au pouvoir de la source. Alors on aurait dû se fier à ses interprétations à elle, et à ce qu'elle aurait choisi ou non de nous répéter. Vous trouvez que ma franchise laisse à désirer, maître espionne ? Je vous ai bien averti du potentiel de la source, Inquisitrice. Ce sont des cris qui devraient vous parvenir des cieux, et non des murmures. Je fais ce que je peux, Morrigan. Vous devrez vous en contenter. Vous disiez savoir ce qu'il fallait faire ensuite. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Le dragon n'est pas un archidémon. C'est une créature dans laquelle Corypheus a investi une partie de sa puissance. Tuez la bête, et Corypheus perdra momentanément son pouvoir de posséder des corps. Il peut être tué. C'est loin d'être facile. Corypheus est déjà fort sans son dragon. On a une chance, mais je vais avoir besoin de l'aide de Morrigan. Ce sont les voix de la source qui vous parlent, c'est ça ? Très bien, Inquisitrice. Venez me voir quand vous serez prête à mettre votre plan en œuvre. En êtes-vous bien certaine ? Nous n'avons pas le choix. Si Corypheus arrive ici, maintenant... Je m'occuperai des défenses de Fort Céleste pendant ce temps.